les gens qui réussissent leur vie, leur carrière et leurs affaires, et avec leur définition, chacun et chacune, numéro 1, ils priorisent et ils choisissent leur bataille. C'est un vilain, grand, méchant défaut que vous avez d'être sur tous les fronts. Ça vous parle, ça ? Je ne lâche sur rien. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est noir et c'est pas blanc. Je ne changerai pas. C'est ainsi. J'ai toujours fait comme ça. Pourquoi je changerai ? Pourquoi c'est à moi de changer ? Etc, etc. Voilà autant de mots qui viennent qualifier que vous ne choisissez pas vos batailles. Vous ne pouvez pas, pour gravir les échelons que vous voulez chaque jour atteindre, ou gravir votre montagne et atteindre le sommet, vous ne pouvez pas ne pas parfois lâcher prise. Tous les gens qui ont du succès, je vous assure, tous, à 110%, ont choisi et continuent de choisir leur bataille. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Ça va de l'automobiliste qui vous fait un finger et vous laissez couler parce que vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Et le gars qui ne lâche rien sur rien, bah attends, je vais aller faire une queue de poisson et ça va pas se passer. Et il lâche rien. Quelqu'un qui grille une file d'attente, quelqu'un qui vous parle mal, quelqu'un qui vous a pas rappelé. Comment ça, tu m'as pas rappelé? Bah moi, je... Et c'est constamment des batailles. Pour beaucoup de gens, la vie est égale à un champ de bataille. La vie, c'est la guerre. Eh, mes amis, relax. J'ai pas dit relax dans la capacité d'aller chercher ses rêves, de se battre tous les jours pour aller chercher sa réussite. Mais relax, choisissez vos batailles. Il va falloir